Bien le bonjour tout le monde, c'est EY et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les gens, on est sur Odyssée pour l'épisode 13 de notre série modée avec Moshu, notre nouveau petit compagnon que notre ami nous a donné. Donc aujourd'hui nous avons de prévu de compléter cette serre avec des oiseaux ou des papillons si on en trouve et de la décorer. Bref, cet épisode va être complet, ça va être un peu de construction pour ceux qui veulent parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas fait. Et pour le prochain épisode, les gens, il va avoir quelque chose de très spécial. Je vous l'avais déjà dit, je ne sais pas si vous êtes déjà prêts pour tout ce qui va arriver. Donc petit sondage, à vous de me dire si vous êtes prêts ou pas, mais il va avoir du lourd grâce à Twixor, je vous avais dit, mais là ça va être un truc de dingue. Donc j'espère que vous serez prêts. En tout cas, mon côté de vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Abonnez-vous, ça demande rien, il y a dans la description pour s'abonner. Sinon vous appuyez sur le petit bouton avec marqué s'abonner, où il y a une petite betterave, tu vois, tu vas dessus. Et après, tu y as juste marqué s'abonner et un petit like, ça demande rien aussi, c'est hyper rapide à faire. Et partager si t'as un réseau social, voilà. Oui, un réseau social, oui, pourquoi j'ai bugué, je ne sais pas. Bref, allez, on va être parti, donc on va déjà aller voir des oiseaux. Donc, certains oiseaux, en fait, vont tout simplement être adoptables grâce à des... comment ça s'appelle? Du blé, oui, du blé. Donc, il va falloir tout simplement voir... quel oiseau pourrait être adopté. Après j'essaierai rapidement de renseigner pendant la vidéo pour voir que, parce qu'il y a des oiseaux en fait qui sont assez classe mais qui ne sont pas pouvoir, enfin on va pas pouvoir les adopter grâce à du blé. Donc on va déjà voir les oiseaux qui sont possibles à adopter. Donc je crois qu'il y a déjà, oh regardez, là nous avons un petit perroquet. Bonjour monsieur le perroquet, est-ce que vous voulez décide? Oh, je crois que lui ne veut bien. Est-ce que tu veux bien décider? Oh, mais regardez, il y a ton homme ou ta femme, je ne sais pas. Donc normalement, lui, ça devrait être bon. Ouais, c'est ça. Donc, non, 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 moi, je suis en train de l'attaquer. Oh, je viens de faire la plus grosse boulette de toute ma vie. J'aurais pas dû cliquer avec ça. Et oui, il a attaqué. Bon, c'est pas grave. Il en reste au moins un. Donc, je ne sais pas si t'as un... C'est bon, tu viens de tout prendre, là? T'es adopté? Non, t'es pas adopté, toi. Quoi, t'en veux encore plus? Ah, ça y est. Voilà, donc maintenant il est adopté et normalement, attendez, on va essayer de dégager un peu ça, voilà. Donc tac tac tac, on peut lui dire de flying à côté de nous, donc nous follow en volant, de nous follow en marchant, donc nous suivre en marchant, ou d'attendre tout simplement. Donc on va lui dire de nous suivre en volant. Donc est-ce que ça marche? Est-ce qu'il va nous suivre en volant? Ouais, il vole rapidement, il vole rapidement. Bon, oh regardez, c'est un colibri. Est-ce qu'on peut... Attends, reviens là toi. Les colibris, est-ce qu'on peut... Non, ils veulent pas, hein. Les colibris, ils veulent pas. J'aimerais bien avoir un petit colibri, ça pourrait être grave stylé. Donc, mes oiseaux, venez avec nous, voilà. Je peux rappeler qu'on est encore en 1.8, pas en 1.12, donc il n'y a toujours pas les petits perroquets. Allez, viens. Viens, 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 viens. Voilà, nickel. Donc maintenant, tu vas te poser là, voilà, tu vas attendre, comme ça, ça évitera qu'il se sauve. Moshu, tu reviens avec moi, merci, voilà. Donc nous allons voir notre premier perroquet, on va essayer d'avoir deux perroquets, un peu... enfin on va essayer de varier. Par contre, je vous promets que ça va faire beaucoup de bruit les oiseaux. Donc ça va être un peu, enfin, ça va être un peu gênant à des moments, mais bon, tout ça on est là pour s'éclater. Il n'y a pas la facecam aussi aujourd'hui parce que bon, j'avais un peu la flemme, je vais pas vous le cacher. Oh regardez-moi ça, un perroquet rouge, c'est un perroquet rouge, c'est le perroquet. Oh il est trop beau lui, attendez on va, je le veux. Ah c'est bon on l'a eu, ok je croyais qu'on n'avait pas réussi à l'avoir. Ok nickel, allez, suis-moi, follow me. Est-ce que Moshu va nous suivre? Oui c'est bon, il nous suit. Eh ben nickel, par contre là on a plus de graines, va falloir que je referme un peu les graines. Donc voilà, je pense que je vais faire une petite ellipse. Allez, tu rentres, voilà nickel. Et tu te poses là, voilà. Donc aussi je voulais dire que maintenant les épisodes de Odyssée vont être un peu plus coupés pour que ce soit un peu plus dynamique pour vous. Parce que je trouve que des épisodes de 30 minutes c'est un peu long. Donc je préférerais faire des épisodes de 20 minutes où il y a quelques coupures, comme ça ça ira beaucoup plus vite. Et il y aura beaucoup plus, enfin ça sera beaucoup plus dynamique et un peu plus appréciable pour vous à regarder. Bref, donc là je vais faire une petite ellipse pour aller chercher des graines et je vous reprendrai juste après. Donc à tout de suite. Regardez-moi ça les gens, c'est vraiment magnifique ce... Oh attendez, ça mérite un petit screenshot, regardez-moi ça. Magnifique. Ouais, donc je viens de me renseigner un peu sur le mode. Donc, les colibris, eux, ils aiment le sucre, donc on va prendre quelques cannes à sucre. Donc, je vais aller dormir parce que la nuit, c'est infâme. Et les pies aiment les objets qui brillent, donc ils ont dit des lingots. Donc, on va prendre des petits lingots. Après, les autres oiseaux, je crois que c'est un peu plus compliqué. Le martin pêcheur, c'est avec un poisson, donc on ira peut-être pêcher un poisson. Donc, on va faire tout ça directement
Maintenant, donc on va prendre du fer. On va essayer avec de l'or et un peu de fer. Donc après, ils disent qu'elle va... Enfin, elle va récupérer notre fer. Donc après, elle va être adoptée. Mais elle, en fait, si vous préférez, elle, si on veut le récupérer, il va falloir la taper. Mais elle va faire tout pour le récupérer. Donc ça risque d'être un peu drôle. Donc on va essayer de faire ça. Aussi, on va se faire une petite canne à pêche pour prendre du poisson. Donc je crois que c'est 2 ou c'est 3. Je ne sais plus. Je crois que c'est 2 plutôt. Hop là. Voilà. On va se faire la petite canne à pêche. Tac, tac, tac. Hop là, et on va aller directement voir les oiseaux. Donc, attendez, on va enlever ça. Voilà, nickel. Donc, où sont... On va déjà essayer de voir si on peut pas avoir un petit colibri. Enfin, attendez, on va déjà aller visiter un peu la... Enfin, visiter. On va aller un peu explorer la forêt. Je galère parce que je viens de voir un colibri. Voilà, oh, il y a aussi un squelette. Sauf que les squelettes, on va pas l'adopter parce que j'aime pas ça. Les colibris, oui, oui. Ok, est-ce qu'ils sont attirés? Oh oui, ils ont l'air d'être attirés. Je peux les attirer, ok. Donc en fait, je pense que... Oh, on peut pas les adopter. Mais on peut les attirer, donc ce qu'on va faire... Oh, c'est... oh, ils sont vraiment beaux ces colibris, je trouve. Regardez-moi ça. C'est un peu les regarder, regardez-moi ça. Ils sont hyper jolis. Bon, on va arrêter de les regarder un peu. Regardez les martins pêcheurs là-bas. Ouh, je sens que cette vidéo va être juste géniale. Donc, alors, venez par là. Et c'est... J'adore les colibris. Je pense que c'est mes oiseaux préférés. Je pense que c'est mes oiseaux les plus préférés. Voilà. Allez, vous restez là, les petits colibris. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va enlever les plaques de pression. C'est un peu tendu à chaque fois. J'ai peur qu'ils s'échappent. Voilà, regardez, il y a les petits colibris. Et après, je pense qu'on décorera un peu tout ça. Donc là-bas, il y a des martins pêcheurs. Là, il y a un... C'est quoi, c'est un pied vert, ça? Oui, c'est un pied vert. Non, tu ne peux pas... Ok, tu... Oh, wow, wow, wow. Ils m'ont fait hyper peur. Non, je veux pas... Oh, attendez. Oh, c'est quoi ça? Est-ce que je peux... Non, tu veux pas... Comment on fait pour avoir ça? Goldian... C'est trop beau, ça. Je voudrais trop en avoir. Par contre, non, les signes, c'est pas trop mon truc non plus. Donc, attendez. Je vais pêcher. On va essayer de voir si je peux récolter un petit poisson pour les martins pêcheurs. Et je vous reprends juste après. Bon, alors, ça fait pas mal de temps que j'essaye de pêcher et je n'y arrive pas, donc c'est pas grave. Je crois qu'en plus, j'ai des poissons dans mon coffre. Enfin bref, j'aurais peut-être une ellipse, je vais pas perdre mon temps sur ça. Donc là, nous avons plein d'oiseaux. Nous avons des petits colibris. Nous avons des vers. Je pense que j'en prendrai après, mais là, on va essayer de voir d'autres oiseaux. Mais après, j'essaierai de reprendre des oiseaux qu'on a déjà vus pour agrandir. Voilà, je trouvais pas mes mots, mais c'est pour agrandir, tout simplement. Donc là, nous avons un speedrunner, c'est ça? Non, un lyrebird. C'est un lyrebird, ok, là, c'est gavé de colibris, par contre... Oh, regardez, ça, je crois que c'est un pan. Attends, il y avait un truc, là. Non, il n'y a rien, ok. En tout cas, le mochu, il a l'air à fond avec les petits colibris. Bref, là, nous avons un petit pan avec... ça, c'est quoi? Un pif... Non, c'est pas un pifoule, ça. Si, c'est un pifoule aussi. Ah, mais si, c'est juste qu'il est... Ok, alors, est-ce qu'on peut... Je crois qu'on vient de l'adopter, lui, c'est bon. Je crois qu'on vient de l'adopter. Est-ce que... Tu vas me suivre? Non, tu veux pas me suivre? Est-ce que lui... Regardez, si on fait un clic droit, lui, il va, comment dire, il va déplier ses ailes. Donc voilà, regardez. Est-ce que tu es attiré? Oui, tu m'as l'air bien attiré par ça. Ah, ils peuvent faire un petit. Ils ont fait un petit. Où est-il? Oh, regardez. C'est ça, c'est un tout petit. Ouais, ça ressemble un peu à un canard, mais bon. Oh, un kiwi. Oh, est-ce que les kiwis, je peux l'adopter ça? Oh, j'adore les kiwis. Les kiwis, c'est trop... Attendez. Oh, il me suit. Oh, je veux trop un kiwi. Allez, follow me les petits kiwis. Oh, j'adore ça, les kiwis. Je trouve ça trop mignon. Regardez-moi ça. Allez, on va avoir un petit kiwi. Par contre, il n'y aura pas du tout de thème pour ma sorte de cerf. Ça va être plus oiseau, mais il n'y aura pas du tout de thème. Et en tout cas, ils ont l'air de pas mal me suivre. Ça, c'est plutôt cool. Ah, je crois qu'on a perdu le pan. Viens là, petit pan. Et comme ça, le pan, on va le voir grandir. Un peu là, viens là. Attendez. Ok, il y a le kiwi qui me suit toujours. Lui, il est bloqué. Est-ce que tu veux pas sortir d'ici? Allez, enlève-toi! Tu me fais sauter! Allez, hop. Oh. Bon, c'est pas grave. Le pan, j'irai le chercher un peu plus tard. Où est le kiwi? Le kiwi aussi a disparu. Et voilà, c'est bon pour le petit kiwi. Ah non, 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 reviens là. Ok, c'est bon, viens. Ok, nickel, c'est bon pour le petit kiwi. Nickel. Par contre, non, tu vas pas ressortir. Toi, Mochu, tu reviens là. Allez, non. Viens. Vite, barre-toi. Voilà, merci. Nickel. Oh, regardez-moi ça, il y a un poisson. Alors là, je ne sais. Je crois que c'est peut-être eux qui l'ont lâché. Ah bah tiens, bah, c'est cool, il y a un poisson. Et attendez, regardez, il y a un martin pêcheur. Ah non, c'est le martin pêcheur. Attendez. Est-ce que je peux essayer de l'attirer? Non, il veut pas.
Je ne sais pas comment on va faire pour avoir un martin pêcheur, je vais essayer de me renseigner. Mais pour l'instant, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres oiseaux qui pourraient être cool. Là, c'est un truc de dingue, les gens, je suis en train de ramener tous les petits colibris avec moi, c'est ouf. Regardez-moi ça, j'ai avec mon gang de colibris, wesh wesh. Alors, ouais, par contre, il n'y en a que des rouges, ça c'est un peu dommage. J'espère en choper d'autres sur le passage. Ah, je croyais que je les avais perdus, non. Alors, est-ce qu'ils suivent? Ouais, ça va, ils sont rapides. Est-ce qu'il n'y aurait pas des colibris ici? Je cherchais des colibris. Non, il n'y a pas d'autres colibris. C'est pas grave. Par contre, il y a le petit. Ok, viens là. Ok, nickel, nickel. Lui, il veut pas rentrer. Par contre, j'ai un peu peur que. Attendez. Viens là. Ah, si, c'est bon, on en a un nouveau là, regardez. À moins que lui, on l'avait déjà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on l'avait, mais regardez. Regardez déjà comme ça prend déjà forme. J'aimerais bien rajouter un 2-3 oiseaux en plus. Et après, je pense qu'on va commencer à décorer tout ça. Ah, regardez, je viens de voir un toucan. Voilà, monsieur le toucan. Attendez, on peut l'adopter. Ah non. Mais on peut pas l'adopter non plus. En fait, je crois qu'il y a que les perroquets qu'on peut adopter. Mais en tout cas, toi, tu vas venir avec nous. Tac, tac, tac. Allez, viens là. Ah, ça va, il suit. Oh. Mais toi, tu veux me suivre aussi? Ah, ben voilà, bah, c'est bon, lui aussi, il va nous suivre. Ah, ben nickel. Regardez tout ce qu'on a avec nous. Il y a aussi un petit kiwi. Par contre, le toucan serait. Ah, il est là-dessous. Ok, on va passer par l'eau plutôt. Est-ce que vous pouvez me suivre avec l'eau? Oui, c'est bon, vous savez nager. C'est nickel, les petits potes. Bon. Bon, bon, bon. Ça va, je pense qu'on aura assez d'oiseaux. Regardez là. Il y a un petit colibri qui regarde ses potes. Regardez-moi ça, les pauvres. Ah non, j'ai envie de le mettre avec ses potes. En même temps, ça me fait. Enfin, je pense que j'agrandirai plus tard pour que ce soit beaucoup plus grand pour eux. En tout cas, on a perdu le kiwi. Nous avons perdu le kiwi. Où est le kiwi? Je cherche le kiwi. Ah, il est là-bas, je crois. Ouais, il est là. Viens là, monsieur kiwi. Monsieur kiwi. C'est bon, regardez, il est là. Viens, viens, viens par là. Ok, je crois que je commence à avoir le toucan. Nickel, viens là, le petit toucan. Viens là, viens là, viens là, viens là. Nickel. Et ben voilà, on va pouvoir refermer. Moshu, tu rep... Ouh. Par contre, il y a Moshu qui est là. Je pense qu'il faudrait mieux faire une échelle. Je sais pas comment faire ça. Parce que là, le problème, c'est qu'ils vont s'échapper. Peut-être que Moshu, j'arriverai peut-être à faire ça. Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on a pas mal déjà d'oiseaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un peu tout ça. Ce que je viens de me rendre compte aussi, c'est que j'ai pas mal d'œufs. Parce que ça, les œufs, en fait, tu les récupères sur les oiseaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de faire un incubateur. Donc, je ne sais plus comment on fait ça. J'ai vu le craft il n'y a pas longtemps, mais j'ai essayé de m'en rappeler. Donc, je crois qu'il faut un seau d'eau, du fer et après de la redstone. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, je crois qu'il faut faire ça. Attendez, par contre, il faut un seau d'eau vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, tiens, un peu là. On va prendre ça. On va se faire un petit seau d'eau. Tac, tac, tac. Je crois qu'il faut de la redstone. Donc, est-ce que j'ai de la redstone? Oui, normalement, j'ai de la redstone. Donc, je crois qu'il faut faire ça, ça et ça. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Bizarre tout ça. Je vais essayer de voir le craft. Je reviens à tout de suite. Ok, les gens. Donc, je viens de voir le craft. Il est juste devant mes yeux. Voilà. Donc, en fait, il faut faire comme ceci. Et attendez, on met la redstone. Et voilà. Nous avons un egg sorter. Donc, voilà. On va pouvoir mettre des œufs. Donc, là, nous avons un flamingo egg. Voilà. On aura peut-être un. Un flamme rose, swan egg, ça je ne sais pas qu'est-ce que c'est swan egg, je ne sais pas. Un œuf de, mince, de perroquet et un œuf de kiwi, donc nous avons deux œufs depuis kiwi. C'est nickel, donc on va essayer de poser tout ça, donc ok, j'ai pas envie qu'il s'échappe en même temps, hop là, vite rapidement. Et nous allons poser ça ici, voilà, donc nous avons notre petit incubateur. Et comment cela marche-t-il? Je pense qu'il vaut, attendez, on va mettre les œufs là, je pense. Voilà, on va les mettre là. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Attendez, on va bien voir. Je vais regarder rapidement comment on fait. Ah, je crois que je viens de trouver, les gens. Regardez-moi ça. Il fallait juste poser la redstone et un œuf au-dessus. Et normalement, là, on devrait avoir un œuf qui devrait éclore. Je ne sais pas comment ça marche. Je viens d'aller sur un site anglais. Et je viens de trouver ça. Donc, je pense qu'il va falloir laisser faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit coffre, je pense, avec les œufs. Et ben on laissera faire tout ça, donc hop là on va poser ça ici, tac tac tac, et maintenant on va passer à la décoration, donc voilà, le petit coffre qu'on va poser là, et on va poser les petits œufs là dedans. Bref, nous allons passer directement à la décoration, donc je vous retrouve juste après, quand j'ai tous les items pour faire tout ça.
Donc voilà les gens, j'ai un peu tout ce qu'il faut de ma main, donc regardez tout ce que j'ai, voilà, j'ai crafté quelques petits trucs. Est-ce que notre egg a terminé? Non, toujours pas, donc on va attendre. Et nous allons commencer directement la petite... Ouh, j'ai cru que j'avais laissé ouvert, j'ai commencé à paniquer. nous allons commencer directement, donc j'aimerais bien faire un petit, comment dire, un petit bassin là, avec un arbre, ça serait plutôt cool. Par contre, j'ai oublié quelques feuillages, bon, j'irai chercher après. Donc, on va se faire ça directement, donc je pense faire un petit truc comme ceci, tu vois, assez joli. Voilà, par contre, je viens de taper un oiseau et il vient de mourir. Bah, c'est bien joué, ça, dit donc. C'est bien joué, par contre. Il n'y a plus de... Yeah, c'est terminé, il n'y a plus de... Ah mince, ils sont échappés par là. Ah oui, la boulette. Ah bah, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Bah, j'irai en rechercher, bah tiens. Ça m'apprendra, j'aurais peut-être dû un peu mieux regarder le truc. Voilà, donc ils sont dû tous échapper par là, les colibris. Bon, c'est pas grave, il reste quelques oiseaux. Ah oui, avant, on va quand même faire un petit truc. Voilà, mettre un peu de glowstone au sol. Mince, je vais encore taper un oiseau. C'est possible. Je veux aider les oiseaux et ce que je fais c'est... Mince, et en plus j'aspire la glosson. Ce que je veux c'est les tuer. Bon. On va essayer de faire une source d'eau infinie. Ça serait plutôt sympathique. Donc tac tac tac. On va aller rechercher de l'eau. Pam pam pam. Hop là, nickel. Donc je vais essayer de faire un truc assez... Comment dire, pas jungle, mais tu vois, assez cosy pour les oiseaux. Donc, voilà, on a une source d'eau infinie maintenant. C'est nickel. Oh, petit lag. Ok, tout va bien. Ça va, tac tac tac. Bah voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Par contre, il fait nuit, donc je pense qu'on va aller directement dormir et je vous reprendrai juste après. Tenez, pour le fun, on va se faire une petite chire en adamantium. Voilà, ça peut être plutôt stylé. Donc je vais aller chercher un peu de feuillage et je vous reprends dès que je suis là-bas. Tiens, et si on prenait du feuillage un peu rose? Je suis en train de me poser la question, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Bah attendez, on va pas faire d'ellipse, on va se prendre, bah tiens. On va se prendre ce petit arbre, voilà. Tac, 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 on va prendre lui. Oh, ça mine hyper... Enfin, ça mine... Ça enlève hyper vite, dis donc. Wouhou! Ça enlève hyper vite. Tac, tac, tac. Et ben, nickel. Ben, voilà. On est plutôt bien. En plus, on a un jacaranda sapling, voilà. Donc, ah oui, il fallait aussi que j'aille à chercher un peu de bois. Donc, je vais faire ça et je vous reprendrai juste après. Donc, à tout de suite, les gens. Bon, alors, nous allons pouvoir commencer. Attendez, est-ce que ça terminait? Toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va attendre. Donc, je pense faire un petit arbre, tu vois, un petit truc comme ça, là. Une sorte de sol pleureur, ça pourrait être sympathique. Donc, par contre, on va essayer de faire ça assez petit parce que je sais pas si j'aurai assez de place. Je pense que, ouais, par contre, ça fait un peu chelou un arbre qui flotte comme ça. Bon, on va faire ça comme ça, voilà. On va se faire peut-être un truc qui part un peu comme ça. Avec, attendez, on va se faire un petit escalier. Hop là, voilà. Et avec un truc comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, là, je pense qu'on est plutôt bien. Après, on va rajouter un peu de feuillage. Alors, comment on va se faire ça? On va faire une sorte de tarte, voilà, un truc comme ça, un peu... Comment dire? Un peu, ouais, c'est une sorte de sol pleureur que j'ai envie de faire. Tac, tac, tac. Hop, là. Et là, je pense qu'on... Attendez, on va mettre un peu là, parce que ça m'a l'air un peu vide. Voilà, un petit truc comme ça. Et je pense que là, il se rend plutôt bien, déjà, avec un petit arbre. Ça habille, hein. C'est beaucoup... plus beau d'un coup. Après, je pense que plus tard, comme je l'ai dit, je vais agrandir parce que c'est un peu petit. Après, si on veut faire une sorte d'élevage d'oiseaux, ça pourrait être plutôt mieux. Donc voilà, là on est plutôt pas mal. Déjà, l'arbre est plutôt joli. Après, j'ai envie de mettre un petit... Il n'y a pas de truc qui existe, mais j'aimerais bien mettre ça, voilà, nickel, comme ça. Comme ça, ils pourront peut-être se mettre dessus. Qui sait, ils viendront peut-être. Et voilà, j'ai mis une petite table. Donc la petite table, on pourra la mettre dessous là. Voilà, comme ça, peut-être s'ils ont envie de venir se mettre dessous. Qu'est-ce que j'avais envie de faire d'autre? J'ai du bois, je voulais faire... Bah, en vrai, là, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'il manquerait quelque chose là. Mais je pense que j'ai tout prévu parce que nous allons faire un nid. Donc pour faire un nid, je crois que le craft, c'est comme ça. On met ça comme ça. Voilà, nous avons un petit nid. Donc nous allons pouvoir poser des petits nids un peu de partout. Bah, on va poser un nid. Bah, j'aimerais bien poser un là-haut. Ça pourrait être plutôt joli, je pense. Même si on le verra pas trop. Mais c'est dans un peu le RPG. Voilà, nickel. On va en mettre un, bah, je pense, un au pied. Ça pourrait être plus classe. Voilà. Et un, voilà, au sol. J'aimerais bien aussi... peut-être pas ça, parce que ça, j'ai peur que ça pousse. Oh, en plus, je récupérais ça. Peut-être mettre des fleurs... Ouais, rose comme ça, j'aimerais pas. J'aimerais garder un peu le style un peu violet. Donc, je pense qu'on va faire, c'est aller directement chercher... Oh, attendez, il y a un colibri. Colibri... Bah, j'ai plus de sucre, mince. J'ai plus de sucre, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement...
prendre de ces plantes. Voilà, nickel. Et on va en mettre un peu dans la serre. Et franchement, je suis plutôt content de cette terre. Ouais, je croyais qu'il y avait encore un oiseau dehors. On va en poser un peu de partout, voilà, comme ça. On va en poser, on va mettre un peu autour de ça. Voilà, qui sait, peut-être les oiseaux iront faire des œufs dans le nid. Voilà, parce qu'on peut y accéder. Et sinon, l'œuf n'a toujours pas terminé, donc c'est pas grave. Et je pense que là, on est plutôt bien. Regardez-moi cette serre, les gens. Et c'est magnifique. Je suis hyper content de ce que je viens de faire. Je vais aller poser tous les items et je pense qu'après, on va se laisser là, donc on se dira au revoir. Attendez les gens, juste avant de se quitter, je viens de voir un truc assez sympathique à faire. Attendez, est-ce que ça a marché? Oui, ça marche. Un bird bath. Voilà, je viens de voir ça dans les petits modes parce que je me suis dit il manquait quelque chose. Et ben voilà, on va pouvoir poser ça là. On pourrait le poser. J'aimerais bien le poser là, parce pour être plutôt joli, je pense. Voilà, on va le poser là. Et regarde. Oh mince, je viens d'éclater un œuf. Le pauvre, heureusement qu'il n'y avait pas d'oiseau. Bref, ça continue à chercher. Et voilà, donc bah, je vous tiendrai au courant peut-être s'il sera terminé. Et en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bah attendez, on va se mettre... Bah, non, on va se mettre là-dedans. On va se mettre là-dedans avec les petits oiseaux. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc les gens, n'oubliez pas que pour le prochain épisode, il va y avoir un truc de dingue. Ça va être vraiment la folie, donc préparez-vous. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo si ça vous a plu. J'essaierai de faire ça, comme je l'ai dit, assez rapidement, tu vois. Enfin, pas rapidement, mais faire un montage assez, comment dire, assez rapide, tu vois, qui vous fait tenir en fait sur la vidéo, tout simplement. Et bref, on se retrouvera pour l'épisode 14 de Odyssey qui va être grave spécial. J'ai tellement hâte, les gens, ça va être un truc de dingue. Bref, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!